Bonjour, bonsoir, ça dépend de là. Vous êtes bienvenue dans mon monde. À moi, c'est le savon spirituel. Si vous voulez un savon de déblocage, des champs pour les mains percées, si vous voulez un savon pour coller votre cou, ou bien un savon d'amour, si vous voulez un savon pour le travail, venez me voir en privé. J'ai créé un groupe WhatsApp pour ceux qui ont des questions à poser ou bien qui aimeraient apprendre même à faire un savon spirituel. Vous cliquez seulement dans le lien que je vais laisser là en réaction pour nous joindre dans notre groupe. Donc aujourd'hui, je reviens avec une vidéo, donc une histoire de cette personne-là, un homme marié avec une fille célibataire, vraiment une très jeune fille. Voilà comment les hommes ici dehors regardent souvent les enfants des gens. Et insiste, insiste. Et quand l'enfant ne veut pas, parfois tu entends seulement qu'on a violé l'enfant, ou bien tu entends seulement que l'enfant a été tué parce que la personne voulait cette fille-là et la fille ne voulait pas. Donc, suivons un peu la vidéo. Donc, à vous les femmes mariées, là, la plupart du temps, ce ne sont pas les femmes qui cherchent vos maris, ce sont vos maris. Parce que là, il va jusqu'à dire qu'il va payer le loyer de la fille. La fille, là, non, c'est clair qu'elle a accepté une fois. Peut-être qu'elle avait vraiment besoin de l'argent pour payer ses factures, mais elle n'avait pas. Il y avait l'homme là et elle a accepté. Et maintenant, elle ne veut plus. L'homme là ne fait que suivre cette fille. Elle ne fait qu'insister, insister. Elle dit qu'elle veut payer ton loyer, elle veut payer les factures, tu veux même t'amener au rendez-vous, etc. C'est en anglais. Mais j'ai traduit en français. Donc, suivons un peu la vidéo. Donc, c'est quelqu'un, il s'en fout même de ce que la fille a dit. Il s'en fout quand la fille a dit que c'est la dernière fois, je ne veux plus. Et le gars lui dit que, ok, il te donne 35 minutes, tu te déshabilles, on va dans la chambre et tout ça. Vraiment, déjà, c'est terrible. Just like I'll put your ass out on the street. Don't worry, I pay her rent too. You know, I pay all her bills. Okay, look, are you, you're gonna either do, what do you want me to do? Hey, I'll take you out on a date. Would that help? No. Would that make you feel better? No, okay. No, it wouldn't, no. Bon, la fille l'explique très bien que ici, non. Je ne me sens pas bien avec toi. C'est ça. Je ne me sens pas bien avec toi. Tu as l'âge de mon père. Quand je suis avec toi, ça me dégoûte. Je suis dégoûté. Mais lui, il s'en fout. Il s'en fout complètement de ce que la fille a dit. Hein. Ça ne l'intéresse pas. Donc, vous, les femmes, là, la plupart du temps, ce ne sont pas les filles, ou bien les célibataires qui suivent vos hommes. Ce sont vos hommes qui insistent. Parce que quand c'est un homme qui a beaucoup d'argent et que la fille là, n'en a pas assez, qu'est-ce que vous voulez, quoi? Qu'est-ce que vous voulez que cette fille-là, elle doit faire quoi? Elle va accepter parce que là, ce n'est pas l'amour, mais c'est l'argent. Suivons la fin de la vidéo. Okay, look, you got about 35 minutes to take off your clothes. That's right out here, and we're gonna do it, and then you can pay me the rent later. You won't have to worry about it anymore. No, I'm not doing it anymore, so you did it before. What's so hard about doing it again? You're almost the same age as my dad, and it makes me feel gross. Like, what if I was your daughter? A little bit more time. No, look, you know the deal. And we've done this before, and I think it's a pretty good deal for you. I mean, you don't have to pay anything. Ouais, non. Excusez le machin. Ouais, non. Quand elle dit même très bien que je suis ta fille, et c'est vrai, parce que ce n'est pas un jeune, c'est déjà quelqu'un qui est bien âgé. C'est les hommes comme ça, encore une fois, qui gâtent les enfants des gens ici là-dedans. Donc attention aux femmes. Moi, je vous parle que quand il y a quelque chose comme ça, n'allez pas attaquer une femme que vous allez avoir un œil cassé ou bien la tête cassée. Parce que vous allez attaquer une femme. Comme quoi, elle sort avec mon mari, ou bien la plupart du temps, tu entends qu'elle a volé. Comment ça, on vole le mari de quelqu'un? On ne vole pas. C'est vous, ce sont vos hommes qui vont draguer les enfants des gens.
Donc, arrêtez d'aller taper les femmes, soit même des enfants, parce que c'est la plupart du temps, c'est des jeunes filles qui sont victimes des femmes mariées ici dehors. Arrêtez ça. Arrêtez. Donc, n'oubliez pas que je suis membre de l'IEBLIMA. Pour ceux qui voudront être membres, c'est une crypto-monnaie comme toutes les autres. C'est la toute première crypto-monnaie de l'Afrique qu'on appelle le Limoquin. Si vous voulez me joindre ou bien si vous avez des questions à poser, pardon, venez me les poser en privé. N'oubliez pas que je vends les savons de déblocage de champ pour les mêmes personnes. Si vous voulez un savon pour l'amour, un savon pour les enfants qui ne marchent pas, un savon pour coller votre couple, c'est un savon naturel fait à base des feuilles et des fleurs naturelles. Donc, utilisez tout ce qui est naturel. Et si vous voulez nous joindre dans notre groupe, je laisserai le lien en réaction. Donc, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker. Et moi, je vous dis à tantôt. Bye bye.